chat norvégien ou chat des forêts norvégiennes. Le chat norvégien, aussi parfois qualifié de chat des forêts norvégiennes, est apparu en Norvège et passionne aujourd'hui encore par son apparence sauvage et authentique. Une race de chat originale qui ne manque pas de panache. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le norvégien dans notre article. Comme le Maine Coon et le Ragdoll, le chat norvégien appartient à la famille des chats à poils mi-longs. Sa fourrure en double couche est composée d'un pelage imperméable et d'un sous-poil dense. À l'image des Sibériens, le Norvégien mue et change de fourrure en fonction des saisons. En hiver, le sous-poil est particulièrement pelucheux et épais, ce qui réchauffe le chat norvégien face au froid. Lorsqu'ils perdent leur sous-poil dense et pelucheux, ils sont alors prêts pour un été nord-européen sec et chaud. Comme de nombreuses races de chats à poils longs, ils présentent des touffes de poils entre les pattes et surtout au niveau du cou. En été, le Norvégien mue et perd une grande partie de son sous-poil. Toutefois, sa queue reste touffue et ses touffes de poils qui dépassent entre ses coussinets restent, quelle que soit la saison. Toutes les couleurs de base connues sont autorisées chez le chat norvégien, et les combinaisons avec du blanc le sont également. Que ce soit du bringé, du tigré, du moucheté ou du tikéd, de couleur noire, bleue, ambre ou encore écailles de tortue, toutes les robes sont permises. Le chat norvégien est toujours un plaisir pour les yeux. Les couleurs chocolat, lilac ainsi que cinnamon et fawn sont les seules couleurs exclues du standard de la race. Le Norvégien appartient aux plus grandes races de chats en termes de taille. Ils atteignent leur taille adulte seulement vers l'âge de 3 ou 4 ans. Ils atteignent une hauteur d'épaule de 40 à 45 cm. De plus, les mâles pèsent jusqu'à 8 kg, les femelles environ 5 kg. D'après le standard, la tête du Norvégien doit être de forme triangulaire avec des oreilles placées assez haut sur la tête, accompagnées de touffes de poils sur les extrémités et entre les oreilles. Les chats norvégiens sont considérés comme des « gentils géants ». D'ailleurs, même leurs admirateurs sont impressionnés par leur gentillesse. Malgré leur taille, ils sont extrêmement paisibles et gentils. Ils sont extrêmement curieux et ont besoin de stimulation physique et mentale. En tant que chat robuste, le Norvégien s'adapte très bien à la vie en appartement. Cependant, en raison de sa taille et de son envie de bouger, il n'est pas forcément adapté à un petit logement. Ces chats sont exceptionnellement doués pour sauter et grimper. Ils aiment jouer et chasser et ont besoin d'être stimulés. Le meilleur endroit pour cela est un jardin ou un balcon sécurisé avec des filets. Son caractère joueur et sa robustesse font du chat norvégien un bon compagnon de jeu pour les enfants. Ils sont considérés comme tolérants et amicaux et sont rarement capricieux. Ces animaux sociables peuvent aussi souvent être gardés avec d'autres animaux de compagnie comme des chiens. Le chat norvégien est l'un des chats les plus anciens. On trouve sa trace déjà à l'époque des Vikings. Il était utilisé notamment comme chasseur de rats dans les endroits où la nourriture était stockée. Le chat norvégien a vécu longtemps à l'état sauvage dans les forêts norvégiennes. Il n'est pas le fruit d'une sélection poussée mais bien d'une évolution naturelle. Ce n'est qu'à la fin des années 1930 que son élevage a commencé. L'épaisse fourrure du chat norvégien nécessite un brossage régulier pour éviter que ses poils s'en mêlent, et un brossage même quotidien en période de mue, qui peuvent être très importantes.
S'il s'adapte très bien à la vie en appartement, il faut penser à lui fournir de quoi se dépenser, sauter, comme un arbre à chat par exemple. Le chat norvégien a besoin d'une alimentation riche en protéines animales, en oligo-éléments et vitamines. Les aliments de base qui lui sont nécessaires sont la viande, le poisson et les légumes. De par ses origines sauvages, le chat norvégien est un chat solide, sans réel problème de santé. Il peut néanmoins être concerné par la GDS4 ou glycogénose de type 4, maladie génétique spécifique à sa race, qui affaiblit le chat et entraîne sa mort jeune. Le Norvégien est néanmoins prédisposé à certaines maladies héréditaires comme la maladie génétique nommée glycogénose de type 4 très spécifique à cette race. Rare, elle affecte les chatons en très bas âge, qui ne survivent généralement pas plus de 14 mois. La maladie perturbe le métabolisme du glucose de l'animal. Les éleveurs s'appliquent aujourd'hui à tenter de faire disparaître ce problème de santé en effectuant des tests sur leurs chats et en écartant de la reproduction les chats porteurs. Le Norvégien est un chat qui a besoin de se dépenser pour prévenir la prise de poids. S'il n'a pas accès à un extérieur, il est donc important de lui proposer de quoi grimper et se défouler avec, par exemple, un arbre à chat et des jouets. Cacher la nourriture de votre chat dans un jouet distributeur est également un bon moyen de l'occuper et de réveiller ses instincts de chasseur. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.